Good morgen, allez, il y a une échelle aujourd'hui, le Nishmat, qu'on s'en réjouit, Hana, j'en ai une autre, votre nouvelle fritna, Kloch, mon mauvais shalom, et Ishaïa Ben Linda, si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternel, nous, si tu en as serré de Bachot, Perek Vav Mishnah Bet. Berach al perot aïlan bore priya dama yatsa. Al perot arez bore priya ex lo yatsa. Al kula amim amar shehakol niya yatsa. On avait appris dans la Mishnah précédente la hiérarchie des Brachot, que sur les fruits de ce qui sort de la terre, alors il y a les fruits de la terre directement, c'est Boré Péri Adama, et les fruits de l'arbre, Boré Péri Aetz. On avait expliqué que même si l'arbre, concrètement, il vient aussi de la terre, donc le fruit de l'arbre, c'est aussi un produit de la terre, mais c'est indirect. Parce que la terre, elle va faire un arbre, que l'arbre va donner des fruits. À la différence des autres fruits de la terre, que chaque année, la terre donne directement son fruit. C'est ça qu'il y a pris Adama et pris Aetz. Malgré tout, il faut savoir que si Berach al perot aïlan boré péri adama, il y a ça. S'il a fait sur un fruit de l'arbre, il a prononcé la bracha de boré péri adama qui a créé des fruits de la terre, il y a ça, il s'est quand même inquiété parce que finalement, le fruit de l'arbre est aussi un fruit de la terre. Il n'a pas menti, il n'a pas dit n'importe quoi dans sa bracha. Il a juste manqué de préciser. C'est dommage, mais tant pis, il s'est quand même inquiété de son devoir. Par contre, s'il a fait le contraire, al perot aaretz boré péri aetz, non, il y a ça. Si sur un fruit de la terre, il a dit Boré Péri Aetz, là, il ne s'applique pas. Il prend une tomate, il dit Boré Péri Aetz, une pastèque, il dit Boré Péri Aetz, là, l'Oyasa, il ne s'applique pas parce que c'est pas du tout un fruit de la terre. Tu as dit n'importe quoi. Tu as dit qu'il a créé du pain et tu manges une pomme. C'est une pomme, c'est pas un pain. Tu as dit n'importe quoi. Mais c'est une bracha plus générale, alors que tu devais dire une bracha plus précise, tu t'as quitté. Logique, simple, connue de tous. Al-Kulam, Im Amar Shakol Niya Yatsa. Surtout maintenant. Dans tous les cas, n'importe quel aliment, si dit chez Hakol Niya Bidvaro, la fameuse bracha, la plus générale, la moins précise, que tout a été créé par sa parole. Tout a été créé par sa parole, même les brachot sur les odeurs, et même les brachot sur les fruits de la terre, non, tout a été créé par sa parole. Donc là, tu t'as quitté. Tu as manqué de précision, mais au moins, hein, tu n'as pas dit d'erreur. Donc tu t'as quitté de ta mitzvah. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une vraie pleine de la sacha comme tout.